coopération helvétique est l'un des soutiens du Sahel en but aux défis sécuritaires et de développement. Sa nouvelle envoyée spéciale pour le Sahel, Cédrine Binei, qui vient de prendre service, a hâte d'être située sur la situation dans la région. La diplomate suisse est donc venue ce mercredi à la rencontre du chef de l'État, président en exercice du G5 Sahel, général Matidis Debitno, pour s'informer. C'est en compagnie du directeur de la coopération suisse au Tchad, Romain Darbelay, qu'elle est arrivée au palais Toumaï. Avec le président de transition, président de la République, chef de l'État, général Mamadou Idriss Débitno, ils ont passé en revue la situation au Sahel et la coopération bilatérale Tchad-Suisse. Au sortir de cette audience, Romain Darbelay, directeur de la coopération suisse, parle des échanges très fructueux sur les stratégies à mettre en œuvre pour la sécurité et le développement au Sahel, sans oublier la coopération bilatérale entre la Confédération suisse et le Tchad. Dans ce que la Suisse entend faire pour appuyer les efforts dans le Sahel, il y a aussi les efforts de développement, les efforts de collaboration entre les différents pays. Et ici au Tchad, j'ai profité de cette visite de notre envoyé spécial pour présenter au président de la République les intentions de la Suisse dans son programme de coopération pour les années qui commencent 2023 à 2026. Et ces efforts d'appui au développement s'inscrivent évidemment dans les objectifs du développement durable, dans le plan national de développement du Tchad, et maintenant, récemment et surtout, dans la feuille de route pour la transition. La diplomate suisse, Cédrine Binei, qui n'est qu'au début de sa mission, entend garder un contact permanent au sommet et travailler en étroite collaboration avec les instances du G5 Sahel.